le dis toujours, la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une communion d'esprit. Vous allez voir que ceux qui ont créé la religion, ce sont des hommes. Dieu n'a jamais été celui qui a créé la religion. C'est pourquoi si vous remarquez, toutes les religions sont bonnes. Dans toutes les religions, on vous dira, ne buvez pas. Dans toutes les religions, on vous dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous allez retrouver les 10 commandements dans toutes les religions. Il n'y a pas de mauvaise religion. Mais malheureusement, Dieu ne se trouve pas dans ça. Alléluia. La Bible dit, lorsque l'homme a fini de pécher, la Bible dit, dans Esaïe 53, le verset 6, lorsque vous lisez, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Pourquoi nous étions errants? Alors que au départ, quand Dieu a fini de créer l'homme, je vais dire à une personne ce soir, quand Dieu a parlé, même si il a dit, ça veut dire quelque chose. Je me dis pourquoi Dieu permet à un serpent de rentrer dans un jardin que lui-même il a créé. Pourquoi il ne met pas les anges pour barricader le jardin? Pourquoi Dieu finit de créer l'homme et puis permet au serpent d'entrer dans le jardin de Dieu? Et pendant ce temps, il en sait, il n'est pas aveugle. Il voit qu'il y a un serpent, il voit qu'il y a un danger, mais il n'en voit même pas un seul ange pour venir au secours de l'homme. Tu t'es déjà posé cette question? Il y a des gens qui me disent souvent, la régie s'il vous plaît, essayez de lever s'il vous plaît. Là, ça va venir. Alléluia. Et lorsque le serpent est rentré dans le jardin de Dieu, je suis sûr que l'ange Michael était prêt à intervenir. Il a regardé, il dit, le Père, voici que l'homme que tu as créé, il est en danger. Qu'est-ce que je fais? Je descends avec mon épée ou bien je fais quoi? Dieu dit, tu ne descends pas. Tu restes ici. On va voir comment l'homme va se débrouiller. En fait, le Seigneur m'a mené à comprendre que il avait dit à l'homme, ce fruit qui est là-bas, ne mange pas. Tu vas manger de tout ce qui est là, mais ce qui est là à côté, il ne faut pas toucher. Et quand le serpent est entré dans le jardin de Dieu, Dieu dit à l'ange, restez là. Je veux voir comment l'homme considère ma parole que je lui ai donnée. Je veux voir le degré de la considération de la parole que j'ai donnée à l'homme. C'est pourquoi Dieu n'était pas obligé de venir intervenir. Tu es là. Dieu t'a donné une parole. Tu veux entendre que Dieu puisse changer les décisions dans la bouche de notre prophète. Dieu ne parle pas deux fois. Il avait déjà parlé. Il a dit à l'homme, le jour où tu vas toucher, tu mourras. Et quand le serpent est entré, Dieu a regardé. Il dit, je veux voir comment l'homme considère ma parole. Satan est venu, il a donné une parole à l'homme. Dieu au préalable avait donné une parole à l'homme. L'homme a pressé la parole de Dieu. Et il a pressé la parole du diable. Il a préféré écouter le diable. Dieu a regardé, il était au ciel. Il dit, c'est fini. L'homme a été déchu. C'est pourquoi on parle de la chute. Pourquoi? Parce qu'il était à une position. Ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir à Satan. C'est l'homme qui a donné le pouvoir à Satan. Ce n'était pas Dieu. Et vous allez remarquer que depuis la Genèse jusqu'à le Nouveau Testament, le souhait de Dieu est toujours de se rapprocher des gens. Quand le péché rentrait dans le monde, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il y a quelqu'un, vous savez, dans chaque être humain, il y a le côté divin. Quel que soit ton talent, quel que soit ce que tu as comme talent, dans ce monde où nous sommes, le talent ne suffit plus. Il faut quelque chose de fort. Vous allez voir même quelqu'un, il a un talent, mais il a besoin d'une protection quelque part. Il y a d'autres qui vont chez le marabout. Il y a d'autres qui s'approchent à Dieu.
ainsi de suite. Il y a toujours ce côté divin qui est en l'homme. Et c'est ce côté divin qui a fait que l'homme dans sa quête, puisqu'il avait perdu la gloire de Dieu, puisqu'il ne pouvait plus bénéficier de la gloire de Dieu, c'est ainsi que l'homme va créer ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est tous les moyens que l'homme met en place pour pouvoir atteindre Dieu. C'est tout ce que l'homme met à côté dans le but de pouvoir toucher le divin. C'est ainsi qu'il y a nos ancêtres qui ne savaient pas, errant comme des brebis. Il y en a qui sont partis adorer de l'eau. Il y en a qui sont partis adorer le poisson sur lui. Il y en a dans nos familles, chaque famille, vous allez voir qu'il y a toujours un Dieu qui est là. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin de quelque chose de plus fort que nous pour nous mettre en sécurité. C'est dans ça. Il y a d'autres, tellement ils n'avaient pas la révélation, ils sont allés, Bouddha s'est révélé à eux, c'est devenu une religion. Il y a d'autres, je ne sais pas qui s'est révélé à eux, et ils disent que non, nous on va marcher pieds nus. Il y a d'autres qui disent que non, on va porter noir. Il y a d'autres qui disent que non, on porte tout blanc. Et toutes ces religions sont répandues dans ce monde. Dieu n'est pas dans toutes ces religions. Et Dieu a regardé comment l'homme souffrait. Et il a regardé la souffrance de l'homme après le péché. Il dit, ok, je vois que l'homme continue de souffrir. C'est pourquoi je posais cette question. Vous allez voir Abraham. Abraham, il a commis un péché. Est-ce que vous avez vu Dieu le réprimander? Vous avez vu quelque part où Dieu a dit à Abraham, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris Adam? Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Voici Noé. Il saoule, il se saoule, il prend le vin. Il y avait tellement de choses. Mais le Seigneur me dit, en ce moment, il n'y avait pas la loi. En ce moment, il n'y avait pas la loi. Les gens vivaient comme ça. Et Dieu regarde et dit, mais ces hommes-là, ils n'ont encore rien compris. Le péché ne faisait que s'accroître. L'homme faisait des choses imaginables. Dieu dit, oh là là, je vais envoyer maintenant la loi. Dieu a envoyé la loi. Lorsque Dieu a envoyé la loi, ce n'était pas pour punir l'homme. En fait, Dieu voulait que l'homme puisse prendre conscience que Adam, là où je suis, j'ai besoin de Dieu. Mais hélas, ça n'a toujours pas été le cas. Les gens persistaient. Les gens persistaient. Salomon, lui, il est venu, il a pris 1000 femmes, etc. Vous allez voir, remarquez très bien. C'est des choses que Dieu n'a pas trop condamnées d'une manière. Et il y a des gens qui viennent, qui disent, non, Salomon avait 1000 femmes, nous, on va avoir 1000 femmes. Ils n'ont rien compris. Pendant ce temps, Dieu est au ciel. Il regardait, il dit, comment je veux faire pour que l'homme puisse comprendre mon plan originel. Le plan que j'avais lorsque je créais l'humanité. Dieu disait, comment je ferais pour que l'homme puisse comprendre? C'est ce que vous voyez dans ce monde. Il y en a, ils ont trop l'argent. Ils vont faire couper sexuel. Le monde n'est plus raisonnable. Tellement le péché s'accroît. Le monde n'est plus raisonnable. Les gens s'assèdent. Écoutez, malgré l'évolution de la technologie, malgré, dites-moi, il y a un pays développé où il n'y a pas une prison. Vous avez déjà vu aux États-Unis, vous regardez même la prison assez luxueuse d'une manière. Je me dis, mais vous dites que vous êtes développé, il y a une prison. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Normalement, un pays développé, il n'y a plus de prison. Parce que tout le monde, tous les hommes sont développés. Tout le monde sont matures. Il n'y a pas quelqu'un qui marche sur son ami. Tout le monde marche dans la droiture. Mais je me rends compte qu'il y a des prisons là-bas. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. En France, on envoie le développement personnel. On envoie le développement personnel. Malgré le développement personnel, on a des personnes qui deviennent de plus en plus bêtes. On a des personnes qui, malgré le développement personnel, vous allez voir quelqu'un, il monte sur un immeuble de 12 étages, quand il se lance, il meurt. On dit que c'est le taux de stress exagéré. Un esprit de mort sous forme masquée. Ici en Afrique, on dit esprit de mort. Là-bas, ils vont expliquer de manière scientifique. Vous voyez toutes ces choses-là. L'homme est en train de chercher. L'homme est en train de chercher. Tu as regardé, il dit non.
J'ai vu que l'homme s'est bien battu dans sa religion. J'ai vu que l'homme, il a tout fait. Mais laisse que moi-même, je vais me rapprocher de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, plusieurs fois Jésus a fait son apparition parce qu'il voulait se rapprocher de l'homme. C'est pourquoi je parle de l'intime de Christ face à la croix. En fait, Dieu, dans son désir, il a toujours voulu habiter auprès de son peuple. Il a toujours voulu une relation intime avec son peuple. Il a toujours voulu se rapprocher de son peuple. Raison pour laquelle, lorsqu'ils étaient en Égypte, il dit, vous allez passer d'abord dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a rien. Donc là-bas, il va vider les cerveaux. Il va enlever toutes les mentalités d'Égypte. Vous allez voir que quand Dieu les a enlevés, les a déplacés de l'Égypte, c'était dans le but de pouvoir l'adorer. Se rapprocher de lui. Ce sont des adorateurs qui servent le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas adorateur et puis qui sert Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Je l'ai dit haut et fort. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas un adorateur, il ne peut pas servir Dieu. Ce sont les adorateurs qui servent Dieu. Qu'est-ce que les mages ont vu et puis sont allés se prosterner? Ils sont allés adorer, ils sont venus avec. Ils ont vu quoi? Alléluia. Et vous allez remarquer que ceux qui ont tué Jésus, c'était des religieux. La religion, excusez-moi, moi-même je viens d'une église. Je viens d'une église hautement protestante, c'est-à-dire dans cette église, le pasteur n'a pas le droit de bouger, le micro est là fixé. Quand le pasteur vient, il s'arrête comme ça, il ne bouge pas, il est comme ça. C'est-à-dire que s'il bouge, on dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas, il est comme ça. Je viens de cette église-là. Les choses sont tellement organisées, c'est une grande église. Je vous assure. C'est tellement organisé d'une manière. Et tellement ils sont organisés, ils ont dépassé même Dieu. Ils ont dit, bon, ok, comme on est tellement organisé, on a beaucoup de monde. Bon, le Saint-Esprit, quand on te prend, on te met dans la poche. Maintenant, c'est nous, on va diriger l'église. Le Seigneur m'a dit, Jésus, il est le chef de l'église. Mais le Saint-Esprit, il est le chef dans l'église. Jésus, il est la tête. Mais celui qui gouverne, c'est le Saint-Esprit. Les religions prennent le Saint-Esprit. Ils ont dit, mon frère, t'assois là-bas. Nous, on va envoyer notre doctrine. Et puis, ils aiment bien ça, la doctrine. Ici, chez nous, c'est comme ça. Tu vas dans telle église, ici, chez nous, c'est comme ça. Ça fait que les gens ne vont plus vers Jésus. Les gens vont à l'église, mais ils ne vont pas vers Jésus. Aujourd'hui, Satan n'empêche plus les gens d'aller à l'église parce qu'il a déjà tout gâté là-bas. Il empêche les gens de connaître Jésus. Parce que le jour où tu vas rencontrer réellement Jésus, tu ne seras plus un religieux. Amen. Ta vie va changer. Amen. Alléluia. L'intime de Christ face à la croix. Nous allons lire un passage. Apocalypse 3, le verset 20. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Apocalypse 3:20, continue de jouer ce chant. Juste en fond, son nom bien posé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
J'ai soupiré avec lui et lui avec moi. On va lire le deuxième passage, Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en ce qu'il m'a envoyé, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, il a reçu, le nom. Au-dessus, il chante avec lui. De tout nom, il a reçu, le nom. Le nom au-dessus de tout nom. Alors bien-aimé, ce soir, le thème qui nous réunit en ce lieu, c'est le type de Christ par face à la croix. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects, il y a deux aspects ici. Il y a l'intimité, il y a la croix de Jésus. C'est-à-dire, un intime de Dieu, un intime de Christ, comment est-ce qu'il doit se comporter face à la croix? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses au préalable comprendre ce que c'est la croix, ce qui s'est passé à la croix. En fait, c'est la croix qui nous donne le pouvoir d'être intime de Christ. Alléluia. J'étais en train de parler tout à l'heure pour dire, vous allez voir que depuis le livre de Genèse jusqu'à présent, Dieu a toujours voulu se rapprocher de l'homme. On a même parlé des tabernacles. Il marchait au milieu d'eux. On dit, pendant la nuit, la nuée, à tout moment, il était avec eux. C'est-à-dire, Dieu, dans son souci, il veut se révéler à chaque être humain. Dieu veut se révéler à chacun de nous de manière authentique, de manière individuelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça le désir de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais peu vont à Jésus. Beaucoup de personnes vont à l'église à cause de soi-disant leur église est bien climatisée. Beaucoup vont à l'église parce que là-bas on dit qu'il y a des chevaux. Beaucoup vont à l'église parce qu'on dit que c'est la plus grande église. Je le dis toujours. Tu peux travailler dans une usine qui fabrique le savon et puis tu vas être sale. Il y a des gens qui travaillent dans une usine qui fabrique le savon, mais ils sont sales. Pourquoi? Tant que tu ne t'approches pas du savon, tu peux être dans l'usine. Tu peux être dans une usine où on parle de Jésus. Tu peux être dans une usine où on prêche Jésus. Mais tant que toi-même, tu ne t'approches pas de lui, tu seras toujours sale. Tu seras toujours ça. Sauf que vous pouvez voir, ne vous étonnez plus. Jésus, il n'y a que des chrétiens qui sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intimes de Jésus. Les sorciers ne sont pas surpris de tout ce qui se passe dans notre monde. Mais il n'y a que des chrétiens. Quand ils rentrent sur les réseaux sociaux, on va dire, il y a ça là. Ils commencent à pleurer. Il est surpris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intime de Dieu. Je le disais, Abraham n'a pas eu une église de 1000 membres. Abraham n'a pas eu une église, je ne sais pas quoi. Mais il est la référence. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? On dit qu'il est le père de la foi. Il n'était pas prophète. Mais il était par son intimité avec Dieu. Il n'avait pas une autre prophétique. Il n'a pas fait de voyance. Mais
Dieu disait, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je veux faire? C'est-à-dire des choses même qui ne les concernent pas. Dieu dit, oh, j'aimerais faire telle chose au Burkina. Est-ce que je vais cacher ça à ma fille? Non, il faut que je le dise. Les choses même qui ne t'intéressent pas, en fait, qui ne te touchent pas de près, mais Dieu se sent obligé de te les dire. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont ici avec qui Dieu veut tisser une forme d'intimité, mais qui sont tellement distraites. Tellement distraites que le diable accomplit, il accomplit cela. Il est en train de faire tellement de choses. Ça fait que les gens sont tellement occupés à beaucoup de choses. Et ça fait que beaucoup ratent l'essentiel. Quand on parle de l'intimité, on parle de ce qui est lié, on parle de ce qui. D'une chose à caractère très profond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intimité. Quand on parle d'intimité, on parle de communion. Et dans la communion, il y a le partenariat. Dans le partenariat, on peut se partager les sentiments. On peut se partager les choses. Alléluia. C'est-à-dire, tu es là, et puis dès que tu es intime de Dieu, Dieu commence à te faire ressentir lui ses propres sentiments. Vous pouvez même voir des personnes qui sont véritablement très amoureux. Arriver à un certain moment donné, tu prends ton téléphone, tu appelles ton chéri, mais j'étais en train de composer ton numéro. Ils sont tellement devenus intimes, ça fait que ça devient, c'est devenu automatique. Qui a regardé Dragon Ball Z? Sangoku, qui a regardé ça? Vous allez remarquer que, arrivé à un certain moment donné, quand l'adversaire était trop puissant, Sangoku et puis Vegeta faisaient quoi? Quand ils faisaient fusion, ils avaient quoi? Un visage unique. Ils étaient devenus encore plus forts. En fait, on ne pouvait pas voir le visage de Sangoku, on ne pouvait pas trop bien le visage de Vegeta, mais lorsqu'on regardait, on voyait une seule personne. En fait, la dimension de l'intimité dans laquelle Dieu veut, il veut que tu puisses atteindre une intimité où, lorsque tu regardes, on voit, on dit c'est la question, c'est Dieu, mais en fait, tout est mélangé en même temps. Et tu deviens Dieu sur terre. Partout où tu marches, partout où tu poses tes pieds, personne ne peut te toucher. Dieu, comment est-ce que on pourra, est-ce que vous savez qu'on a un grand défi à relever? Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Dieu leur a parlé comme Adam et Ève dans le jardin de terre. Dieu lui a dit, il ne faut pas manger le fruit, mais il voulait que Dieu revienne encore la deuxième fois avant de se déshabiller devant le groupe. Je suis la honte de se déshabiller devant l'eau. Tu n'as pas honte, n'est-ce pas? Dieu, il y a une partie de Dieu qu'on n'a pas encore goûté. En fait, Dieu veut se déshabiller pour qu'on puisse le voir tel qu'il est. En fait, il est prêt à se déployer. Mais quand il regarde, il y a des jeunes filles même qui ont la peine de Dieu. Même petit garçon, et puis tu vas voir, c'est un païen. Il a été gâté son appel. Est-ce que c'est ça? Elle est quand même. Elle n'est pas en paix. Le gars est en paix, mais elle est calée. Vous n'avez pas. Parce que, écoutez, on n'est pas tous la même chose. Vous savez, il y a des choses, moi, je ne peux pas m'amuser à faire. Il y a certaines personnes, je les vois, ils font facilement. Mais comme moi, je sais un peu net. Je perds ma joie, c'est fini. On n'est pas pareil. Mes amis, Jésus revient bientôt. Il viendra non pas chercher des fils, mais il viendra chercher l'épouse. Vous savez, souvent, j'assistais à certaines dates où, avant de faire sortir ta vraie femme, on fait sortir d'autres femmes qui sont identiques à ta femme. Mais c'est lui qui est intime à sa femme, il n'a pas peur. C'est ça. Tu
Tu sais pourquoi tu as peur de certaines choses? Parce que tu n'es pas intime de Dieu. Tu as peur parce que, en fait, tu ne connais pas Dieu. Comment tu vas te distinguer? Vous voyez? Et tant que tu ne vas pas bien maîtriser ce qui est vrai, le faux peut te planer facilement. On ne connaît plus le vrai. Il y a des chrétiens, c'est-à-dire, je vous assure, dans mon temps de la fin, il n'y a pas un don qu'on a demandé à Dieu comme le discernement. Je vous assure, c'est quelque chose de, qu'on doit demander, qu'on doit travailler le discernement. C'est la même chose qui s'était passée aux États-Unis. Ils étaient confrontés à des faux billets de dollars. Tellement c'est rentré dans le marché, ils vont faire comment? Ils ont pris les faux billets, ils ont étudié, mais malgré ça, il y avait des faux billets. Ils ont dit, le faux là, c'est pas qu'on a fabriqué, prenons le vrai. On va étudier le vrai dollar. Ils ont étudié. Arrivé à un certain moment donné, ils n'avaient plus besoin de machines. Quand un faux billet passe, ils voient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement intimes à ce qui était vrai. Tellement l'intimité était devenue puissante. C'est-à-dire quand on voit le faux, on sait en même temps. Mais ce qui est vrai, on ne connaît pas. Je vais vous dire, si tu veux, il faut connaître le droit de Dieu. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas une révélation qui est plus forte, qui est plus dangereuse que la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous allez voir Nicodème. Il était un docteur de la loi, spécialiste. C'est-à-dire, si tu vois Nicodème, tu lui dis, il faut me décortiquer les quatre points cardinaux. Il va te décortiquer. Tu lui dis, décortique-moi les quatre fois. Il va te décortiquer. Mais lui-même, il vient vers Jésus. Et puis, il ne sait pas comment. Il ne sait pas que pour le ciel, il faut naître de nouveau. Un grand docteur. Il maîtrisait toutes choses. Il maîtrisait la Bible. Il pouvait dire à Jésus, voici ce que Moïse a dit. Il savait ça en eux. Mais il vient vers Jésus parce que lui-même, il ne connaissait pas. Depuis que j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré de la religion. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, pourquoi tu guéris un malade le jour du sabbat? Jésus lui a dit, il a dit, mais écoutez, c'est moi qui suis le maître du sabbat. De réfléchir parce que vous savez la religion. Dans la religion, on nous dit si tu ne vas pas le dire dimanche, tu vas mourir. Dans la religion, on nous dit si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Je vous assure. Et ça, c'était dans ma tête. Je partais à l'église parce que aujourd'hui, c'est le sabbat. Si je ne veux pas, c'est pas bon. Je partais parce que si je ne veux pas là-bas, mon pasteur va parler. Vous voyez ce que la religion s'est mis dans la tête des gens. Aujourd'hui, les gens ne font plus des choses par crainte de Dieu, mais parce qu'ils ont peur des hommes de Dieu qui ont établi des lois et des doctrines dans des églises. Amen. Jésus me dit, je suis le sabbat. C'est-à-dire que si tu me reçois dans ta vie, comme Apocalypse 3, verset 20, on vient de lui dire, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, quand il entre dans ma vie, là, est-ce qu'il entre pour sortir? Il dit, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Là, il parle d'intimité. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une relation, il y a une intimité qui est là. Jésus me dit, mon fils, quitte dans la religion. Est-ce que vous savez que il y a des jours tu te réveilles comme ça, le Seigneur te dit, ne sors pas, reste dans ta chambre parce que je veux te parler. Bon, tu vas rater un culte, on va te dire que non, tu as rétrogradé. Pourtant, tu avais le rendez-vous avec le maître. Vous voyez ce que la religion est en train de faire aujourd'hui. Nous devons quitter dans la religion. On fait des choses parce qu'on a peur. Les efforts humains, là où, écoutez, Dieu m'a dit, mon petit, là où tu mets ta force, moi je ne viens plus. C'est pourquoi vous allez voir Abraham. Abraham n'est pas devenu juste parce qu'il a fait des choses. Mais Abraham est devenu juste parce qu'il a cru.
La Bible dit, apporte cri à Jésus, à Dieu, et cela lui fut imputé quoi? À justice. Attends. Quelqu'un qui avait des concubines, quelqu'un qui est sorti avec sa servante, qui avait toutes ces choses, mais la Bible dit qu'il était juste devant Dieu. Ce n'était pas dans les actes, mais c'était dans la dimension de sa foi. C'est-à-dire, lui, sa faiblesse, il sait que non, je ne peux pas. Mais il a cru, sa foi lui a donné une identité. Aujourd'hui, vous savez, la religion a tellement gardé nos têtes. Vous savez, l'homme veut toujours mériter quelque chose. Même à l'église, vous allez voir, il y a des gens, quand ils ont chanté, le pasteur donne du courage, félicitations, s'il n'a pas dit, il est fâché. Donc l'homme, en fait, l'homme veut toujours mériter quelque chose. Vous allez voir quelqu'un, il s'en va jeûner 40 jours, et puis il vient, quand il fait comme ça, les gens tombent, il dit voilà, c'est le prix. Voilà, là, en fait, l'homme, il veut toujours mériter quelque chose. En fait, à chaque fois que l'homme te verra, laisse-moi te dire, Dieu va s'éclipser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est esprit. Il possède une âme qui vit dans un corps. Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer comme un esprit. Vous voyez ce que la religion fait? Cette dame dit à Jésus, toi tu me parles de toi-même. Mes amis, parfois je m'assois et puis je me pose des questions. Et si moi j'étais à l'époque où Jésus était veillé, avec toute cette religion, ils ont mis dans ma tête que Dieu est trop saint. Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne peut jamais faire comme ça. En fait, ça c'est la religion qui nous a enseigné ça. On nous a enseigné un Dieu qui est trop mystérieux. Ça veut dire même quand tu es dans la douche, tu ne dois pas l'invoquer. Mais et si un malaise m'arrive là-bas, je fais comment? Pourtant, on dit Dieu est partout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Excusez-moi, même quand je suis enfoncé, je l'invoque. Mais en fait, est-ce que Dieu, en fait, ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais Dieu, il est esprit. Est-ce qu'il y a un esprit sans une odeur? Est-ce qu'il y a un esprit sans des sentiments? Est-ce qu'il y a un esprit qui peut avoir sentiments? Il n'y a que des chrétiens qui sont sentimentalistes et ça fait qu'on ne fait que tomber, se tromper dans des mauvais choix parce qu'on est trop sentimental. Tu sais pourquoi le sorcier là, il continue de tuer et puis il n'a pas pitié. Sentiment là, il n'a plus ça. Il est un esprit dans un corps. Il n'y a que des chrétiens sentimentalistes qui pleurent, qui passent tout le temps à pleurer. Donc quand on devient intime de Christ, il y a des choses où on pleure plus. D'abord, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es un bébé spirituel, tu es enfant de Dieu. Après, tu grandis, arrivé à un certain moment donné, tu deviens fils. Mais la dernière dimension dans laquelle Dieu veut utiliser l'église, c'est le pouce. C'est pourquoi il dit, il reviendra chercher le pouce. En fait, quand ça, tu dis, c'est un païen, il dit, tu es fou. Les choses de Dieu, les plus profondes, sont tellement simples que tout le monde passe à côté. Ils ont vu un Jésus, un être humain. On dit non, 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 non. La religion dit non, 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 non. Dieu ne peut pas être comme ça. Tu dis à un musulman, Jésus est Dieu. Il dit, tu es fou. Dieu peut pleurer. Amen. Jésus est Dieu. La Bible dit toute la plénitude de Dieu. On n'a pas dit une partie. On dit toute la plénitude de Dieu habitée en Jésus. Mais aujourd'hui, les gens cherchent toute portion. La seule personne qui a reçu ça, c'était Élisée. Toi, tu as Jésus, et puis tu cherches qu'une toute portion. Les gens ne connaissent pas Jésus. Parce que le jour, c'est lui qui a Jésus. Jésus a dit quoi? Parmi tous les prophètes, il n'y a pas un qui est plus grand que qui. Maintenant, il dit quoi à propos de Jean-Baptiste? C'est lui qui est quoi? C'est lui qui est plus petit que, il est plus grand que. Maintenant, c'est lui, toi, tu as Jésus. Et puis tu dis, tu veux une portion. C'est que tu n'as pas compris celui que tu as reçu. Amen. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. On n'a pas compris qui est Jésus. On n'a pas compris qui est Jésus. Tu vois, les gens voient la montagne. Ils cherchent. Ils cherchent.
mon peuple périt par manque de connaissance. Et de toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Mais les gens continuent de chercher des prophètes. Et là, va dans ta chambre, mets, fléchis tes genoux. Et puis dis Jésus, si aujourd'hui tu ne viens pas, il ne bouge pas. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas persévérant. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir. On dit la plénitude, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu, tu dois voir qui? Jésus. Donc, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu manifestée par Jésus, rendue possible par le Saint-Esprit. Donc, si je veux connaître réellement Dieu, je m'approche de Jésus par le Saint-Esprit. Et chaque jour, il enlève un voile. Je vois plus clair. Il enlève un voile. Je vois plus clair. C'est ça la révélation. C'est ça. Au fur et à mesure, mon intimité s'agrandit. À l'université, on voit quelqu'un, il fait 7 ans. Il sort, il devient médecin. Mais quelqu'un vient à l'église, 7 ans, 10 ans, bébé spirituel, il ne peut pas chasser un démon, il continue de pleurer. 7 ans, les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils prennent quelqu'un qui est nul, on fait de lui un médecin. Et puis tu vas t'asseoir chez lui, il te soigne. Mais toi, tu es à l'église, 7 ans, 10 ans, un petit péché, c'est une publicité, impudicité. Beaucoup ici sont dedans, que Dieu vous délivre. Amen. Jésus, je le disais tantôt, quand Jésus était ressuscité, on ne l'a plus reconnu. La vie chrétienne commence par la mort. Beaucoup veulent vivre. On ne vient pas à Jésus pour vivre. On ne vient pas à Jésus pour recevoir des choses. On vient à Jésus pour être transformé. Lorsque je suis transformé, tu deviens maintenant prêt à porter. Dieu peut te mettre sur le marché parce qu'il sait que tu es déjà arrivé. Amen. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent recevoir des choses. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent marier. Va chez Marabout, c'est mieux. Marabout va faire ça chap-chap pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés et puis sont là en enfer? Amen. Il y a des gens qui ont été tellement pressés pour avoir des enfants. Les enfants sont des drogués. Vous pensez qu'avoir un enfant c'est une bénédiction? Vous pensez que tous les mariages c'est Dieu qui bénit? Vous le pensez vraiment? Tellement on n'est pas intime de Dieu, ça veut dire que chaque jour on est en train d'opérer des mauvais choix. Hey. C'est ça même, des mauvais choix, matin, midi, soir, toujours en train de regretter, toujours en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intime. Jésus dit à la croix, tout est accompli. Jésus, Dieu, il a été le premier sacrificateur et il a été le dernier sacrificateur. C'est-à-dire, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal, n'est-ce pas? C'était la première fois qu'il a versé le sang. Il a été le premier sacrificateur. Et quand il a regardé avec la loi, les bœufs, tout ça là, il dit, bon, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Il dit, il va envoyer lui-même son fils, son propre fils. Et Jésus est venu clôturer. Il a été le premier et le dernier sacrificateur. C'est pourquoi ne jouez pas avec la croix. Regardez, j'ai parlé de ça avec mes filles. Je disais, lorsque vous lisez la Bible, on dit Caïn a fait une offrande à Dieu. Mon frère, est-ce qu'on dit qu'il a fait une mauvaise offrande à Dieu? Vous avez vu, en fait, la religion dans le côté où j'étais, depuis tout petit, on nous a dit que Caïn a pris des. On dit les dettes, comment dire, lui faisait des légumes. Il a pris des feuilles pourries, et puis il a donné à Dieu. Ça, c'est ce qu'on nous a dit à l'école.
Mais quand j'ai grandi dans la Bible, un jour j'étais en train de méditer, on dit Abel, Caïn a offert à Dieu une offrande, Abel aussi a offert à Dieu une offrande. Maintenant Dieu choisit d'accepter pour Abel et puis on va pour Caïn. Est-ce qu'on a dit qu'il a fait une mauvaise offrande? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Mais regardez, quand ils ont fini de faire l'offrande, regardez ce qui va se passer. Dieu vient et dit à Caïn, le péché se couche. Il ne dit pas à Caïn que tu m'as donné une mauvaise offrande. Mais il lui dit que le péché se couche. Donc, il faut surmonter. Alors si j'étais Caïn, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais partir chez Abel. Ah, tu n'as pas créé pour moi, pourtant il a créé. Comment toi tu as fait? Normalement c'était comme ça que ça devait se passer. Mais Dieu me dit, il a créé l'offrande d'Abel à cause du sang. La croix, le sang a été versé. C'est ça la croix. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Un intime de Dieu, quand il connaît l'importance de la croix, il nage dans ce que j'appelle le sang. Le sang qui est ici le symbole des sacrifices. Qui est le symbole de sa. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se prive de beaucoup de choses. C'est ça le sacrifice qu'il fait pour pouvoir plaire à qui? À Dieu. C'est ça. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage dans le but de pouvoir être heureux. Or, on entre là-bas pour rendre heureux. Si toi tu veux te marier pour être heureux, tu vas mourir. Remarquez très bien. Non, je vous dis la vérité. Remarquez très bien. Les gens qui sont le plus frustrés dans la vie, c'est ceux qui demandent toujours. C'est ça. Remarquez très bien. Parce que, en fait, quand tu vas demander, tu vas avec toute ta joie et autres. Et quand tu arrives, si ça n'a pas été, tu es frustré. Mais celui qui donne, il n'est pas frustré. Il a tout, il donne toujours. Il donne, il est en joie. Il donne. C'est ça l'intimité. C'est-à-dire que donner du temps à Dieu, de pouvoir te parfaire, donner du temps, passer du temps dans la présence de Dieu. Passer plus du temps dans la présence de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi David n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais il a compris Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. C'est-à-dire que David avait atteint une dimension d'intimité où il dit, Seigneur, même quand je suis dans le fer fond du noir, tu me vois. Ça veut dire que là-bas même, je ne peux pas pécher parce que je sais que tu me connais. Regarde, la révélation de Dieu te donne le pouvoir poser des actions en dehors même de ce que ton pasteur te dit. Regarde, tu n'as pas besoin qu'on te dise arrête de pécher parce que tu as la conscience de la présence de ton ami intime qui est Jésus. Il n'est pas pour David, même quand je suis dans le noir, tu es là. Dieu dit, mais c'est quel homme ça? Il dit, toi, tu es l'homme selon mon cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir, David a été le seul. Il était prophète, il était roi et il était sacrificateur. Jésus avait les mêmes fonctions que David. Il était roi, prophète, sacrificateur. Dans le psaume 22, vous allez voir, David a prophétisé les souffrances de Jésus. Il a vu ça. Les apôtres, tout cela, ils ont vu. La Bible dit même, et tous, ils ont voulu goûter à ce que nous goûtons aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent encore retourner dans la loi. Et quand tu deviens intime de Dieu, Dieu te partage ses sentiments. Il y a des moments où tu es là, tu pleures, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. En fait, c'est une transaction. Dieu est en train de te. Dieu, il vient déposer sur ton cœur le fardeau qu'il a. Et quand il dépose ce fardeau qu'il a dans ton cœur, automatiquement ça te donne une attitude, ça te donne une conduite, ça te pousse à la prière, ça te pousse à évangéliser, ça te pousse à te rapprocher de Dieu. Quand tu vois des païens, tu commences à pleurer. Tu pleures parce que tu vois comme Dieu les voit. Tu ne les connais pas, tu pleures parce que tu le vois en train d'aller dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand ils voient les païens, hey, Jésus me met bientôt. Tu vois un gars qui est
drogué. Il est fatigué. Tu n'as aucune pitié, aucune compassion. Parce que tu n'as pas les sentiments de Dieu. Il y en a même qui maudissent. Il y a des hommes de Dieu qui maudissent. Jésus n'a jamais maudit quelqu'un à part le figuier. Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Chers amis, nous sommes tous responsables devant Dieu. Nous serons tous devant Dieu pour rendre compte à Dieu. Il est temps pour que tu puisses entrer dans cette intimité. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, regarde, je ne me vois plus en train de dire, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Vous savez, lorsqu'on est en train de préparer ce programme, à une semaine du programme, je suis tombé gravement malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et toutes mes filles sont tombées malades aussi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi tout ça? Mais il y a quelque chose que Dieu a fait, ça m'a tellement étonné. Vous savez, quand Dieu est dans quelque chose, on ne force pas. Alléluia. Quand Dieu est dans quelque chose, on ne force pas. Mon frère, pour comme ça, on n'a pas forcé. Hein? Même quand j'étais couché sur les lits de l'hôpital, tout l'argent du programme était dans ma main. Alléluia. Malgré que ça n'a pris le père l'hôpital, mais. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, il m'a dit, quand il devient. Regardez, est-ce que c'est Dieu qui a dit à David, faut construire un temple? Quand tu atteins une certaine dimension d'intimité avec Dieu, tu as comme le droit de veto de Dieu. Ton oui, c'est le oui de Dieu. Ton non, c'est le non de Dieu. David a atteint une dimension où il s'assoit et puis dit, non, je dois construire un temple. C'est pas Dieu qui lui a dit construire un temple pour moi. Mais tellement il était intime de Dieu, il a commencé à savoir ce que Dieu, ce qui était dans le fin fond, dans le cœur de Dieu. Même en amour, il y a des choses, ça ne ment pas, hein? Ça ne tombe pas. Si tu ne vois pas ça, il faut quitter les gars. C'est-à-dire que tu es là, et puis tu as besoin de quelque chose, mon frère. Et puis le lendemain, tu vois ta chérie d'apprendre ça. Tu dis, mais tu as fait comment pour savoir que c'est ça que j'avais? C'est de ça que j'avais besoin. En fait, l'intimité a tellement grandi. Quand tu es dans une relation où tu pleures tout le temps, et puis tu attends le gars de donner une prophétie pour quitter. D'accord? Que Dieu te fortifie. Quand on devient intime, quand on devient intime de Dieu, regardez, apôtre Paul, dans la Bible, est-ce que vous savez dans la Bible, c'est pas tout qui est la parole de Dieu. Ça, on peut me dire, ça va ça. Dans la Bible, c'est pas tout qui est la parole de Dieu. Satan aussi a parlé dans la Bible. Donc tu as pensé que Satan a parlé, tu as médité, puis tu as dit c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, il faut voir la révélation. Parce que derrière la parole, il y a l'esprit de la parole. Alléluia. C'est l'esprit de la parole qui te permet de comprendre quand tu les lis. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. Je veux construire une maison pour mon père. Tous genoux fléchira. Monte un peu le son. Parce que je sens que quelque chose va se passer. Yes. David dit, je veux construire un temple. David est battu Dieu. Dieu dit non. Il dit toi David, je dis, le Messie va venir de ta tribu. Et puis toi David, le trône ne va plus jamais quitter ta descendance. Il dit le trône ne va plus jamais quitter ta descendance. C'est pourquoi Jésus on l'appelait fils de David. À cause de quoi? Son intimité avec Dieu. Mais je me dis, mais pourquoi quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit comme nous? Quelqu'un
qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Nous, on a le Saint-Esprit en permanence. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait par moment et il partait. Il descendait par moment et il partait. Mais avant que Jésus ne remonte, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que, il dit encore, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire qu'il est à moi et il est avec moi. Mais malgré ça, on passe à côté des gens qui vivaient pendant l'époque de l'être pour être temps pour temps. Il y en a qui sont avec Dieu. Et on dit ce sont des témoins. Ils nous regardent. Imagine-toi quelqu'un qui n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il jalousait ce que nous on a aujourd'hui. Et puis tu regardes, tu as le Saint-Esprit. Tu l'as pris pour dévorer. Tu continues de pleurer. Tu continues de vivre dans le péché. Ils sont là, les témoins. Chaque jour, ils nous regardent. Ils nous voient avec des dons, avec tous les talents, le potentiel que Dieu a mis en nous. Ils sont là, le dernier jour, le Moïse. Ils vont nous juger. Ils seront là. Ils sont des témoins actuellement. Et ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais comment ils ont fait pour vivre en intimité avec Dieu? Au point où Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Tu te plais de Jésus, pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire ta force pour dire que j'appartiens réellement à Jésus? Qu'est-ce qui prouve réellement que tu appartiens à Jésus? Nous tous, Satan a changé nos. C'est-à-dire, nous tous, diplôme, travail et autres. Dieu ne te jugera pas en fonction de tes diplômes. Voyager. Même quand tu montes dans l'avion, est-ce que vous savez, quand tu montes dans l'avion, malgré tout le confort qu'il y a, même si tu es dans la première classe, même si tu manges pizza, job, tout ça, est-ce que vous savez que ce n'est pas important? Le plus important, je dois arriver là où je vais. Aujourd'hui, beaucoup sont distraits à côté, à cause du confort. Facebook, WhatsApp, mariage, l'argent, toutes ces choses sont en train de distraire beaucoup de personnes. On a oublié l'objectif. Le but du rapport sexuel n'est pas le plaisir, c'est la procréation. On peut violer une fille sans plaisir et puis elle va procréer parce que c'est le but du rapport sexuel. Le but de mon intimité avec Dieu, c'est de produire quelque chose de palpable, de visible, de tangible, qui va toucher des vies, qui va transformer des vies. C'est le but de cette intimité. Une intimité dans laquelle il n'y a pas de procréation, ce n'est pas une intimité. Ce n'est pas parce que je t'ai dit bonjour que je suis intime avec toi. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es intime avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu parles avec quelqu'un que tu es intime de lui. Ses intimes. Il y en a combien du temps tu passes dans la présence de Dieu? Il y en a même qui se disent adorateurs. Abraham n'était pas un chanteur, mais il dit, peux-tu rester là, je m'en vais adorer. Il partait adorer comment? Et puis son fils, on s'en est tué. Il dit lui aussi. Mais il savait qu'il y avait quelque chose. Il dit, il y a le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Même ce qui me plaît, même Isaac voit la souffrance de Jésus. Il dit, voici il y a le feu. Le feu qui symbolise la souffrance de Jésus à la croix. Il dit, il y a le bois. Le bois qui est la croix. Mais il dit, où est l'agneau? C'est Jean-Baptiste qui va répondre plus tard. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'est dit on est chrétien, mais où est l'authenticité de notre chrétien? Je vous ai dit tout à l'heure, nous tous ici, on va à l'école, on est parti à l'école, il y en a des ingénieurs ici. Vous avez des professeurs qui vous enseignent, vous savez plus ou moins faire quelque chose. Mais tu as fait 10 ans à l'église, tu as fait 15 ans à l'église, et puis quand tu dis que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu as fait 20 ans.
dans l'église. Et puis David, il ne sait pas comment Dieu parle. Mon frère, c'est comme quelqu'un qui a fait 7 ans de médecine et puis il ne rien. Toi, tu vas lui donner ton corps, il n'a pas de soigner. C'est pourquoi je ne veux pas chercher un prochain homme de Dieu. Ah oui. Parce que la Bible dit, vous le reconnaîtrez par les fruits. Je disais tantôt, le plus grand don que nous devons demander actuellement, c'est le don de discernement. Dieu veut qu'on puisse devenir ses intimes. Mariage, c'est bon. L'argent, c'est bon. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes ici. Le travail que tu cherches, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit, ils diront en mon nom, en ton nom, on a fait ceci. En ton nom, c'est pas moi, j'ai chassé des démons. C'est pas moi, j'ai fait ceci. Il dit, quittez devant moi. Je ne vous ai jamais connu. Là, il parle de quoi? L'intimité. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que dans moi, mon intimité, je ne vous voyais pas. Vous étiez à l'église, mais vous n'étiez pas intime de moi. Vous veniez tout le temps à l'église. Peut-être même que vous brandissez la parole de Dieu, vous lisez. Mais vous n'étiez pas dans mon cercle d'intimité. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Dieu te connaît? Tu l'as déjà entendu parler? Il y a des gens même qui chantent un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Il y a des gens même qui chantent un Dieu qu'ils n'ont jamais expérimenté dans les chambres. Il n'a jamais fait même une heure d'adoration, lui seul. Mais il s'est dit adorateur. Il n'est pas intime de Dieu, qu'est-ce qu'il va communiquer? C'est pourquoi Pierre, où il voulait régner Jésus. Il a voulu mentir, mais tellement il marchait avec Jésus. La dame lui dit non. Ce que tu dis, et puis ce que moi je vois, c'est différent. Parce que même par ta manière de parler, on sent que tu es de l'heure. Pierre dit non. Tellement il était intime de Dieu. Vous savez, quand tu grandis une certaine dimension d'intimité avec Dieu, là, tu ne peux plus pécher. Si tu veux faire un païen de Dieu, toi aussi. Tous, laisse ça, c'est pour nous. Parce que en fait, ça se dessine même sur toi. Mais ce que je vous dis là, j'ai vécu ça. Un bon jour, il y a un frère, je lui parlais de Jésus. Il m'a vu quelque part là-bas, vu ça. Ça, c'était dans les années 2011-2012, dans mes débuts là. Il m'a vu un dégagement là. Il dit, ah frère, mais ils sont tous comme ça. Pardon, faut laisser ça là, ça c'est pour nous. Toi, j'ai eu honte comme ça, j'ai dit, hé, attends, donc après là c'est sérieux, on ne peut plus rien faire pour vous. Il dit, donc on ne peut plus rien faire pour vous. En fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit, hé, le monsieur est ressaisi. J'ai dit, non, ma place n'est pas là-bas. Maintenant, je veux continuer mon intimité avec Christ. Mes amis, je vous dis, le dernier jour, tous les chrétiens seront jugés en termes de récompense. Les païens sont jugés pour l'enfer, mais les chrétiens sont jugés en termes de récompense. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, mon frère, quand, dans un couple, quand la dame connaît son trop son mari, elle n'a pas besoin de lui dire, chérie, tu manges quoi ce soir? Fabrique quelque chose. Quand le mari rentre et puis voit il mange, il dit Mazo Brogo Satan. Avant quelque chose s'est passé. Mais comment elle a fait? Amen. Dites-moi. C'est pas ce que Rebecca a fait. La femme de Rebecca, c'était qui? Donnez-moi son nom. La femme de Rebecca. Le mari de Isaac. Ok. Isaac a dit à son fils Esaü, va me chercher un gibier. Et puis tu vas faire quelque chose, je vais manger avant de te bénir. Mais regardez ce qui va se passer. Rebecca n'est pas là en pousse. Rebecca
elle n'est pas allée chercher un gibier. Elle est restée dans la maison. Elle dit, mon fils, ton père, je suis trop intime de lui. Je le connais. Va prendre ce qui est tout près. Ne va pas loin. Prends ça, viens. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent découvrir le secret de la cuisine de Rebecca? Le secret de la cuisine de Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée chasser en pousse. Elle n'est pas allée chercher, mais elle est restée là. Tellement elle était intime. Quand tu grandis dans une certaine intimité, tu ne te fatigues plus. Je vais en Israël, je vais ceci, je vais cela. Il y a un fait, tu es là. Tu ne te fatigues pas. Pendant que Zahou se fatiguait, il n'est pas en pousse. Elle est restée. Elle a fait tout près là. Et puis, bénédiction n'est pas sortie, mais ce n'est pas sorti. Ce n'était pas ça l'objectif. C'est sorti. Quand tu es digne de Dieu, tu ne cherches plus, tu ne fatigues plus. Il y a des jeunes que tu cherches là, c'est parce que tu n'es pas intime de Dieu. Ou tu dois tout le temps jeûner, tu vas. Parce que tu n'es pas intime de Dieu. Quand tu rentres dans une intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne souffres plus. Parce que tu as le code. Tu as le secret. Tu as le secret. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Et tu as le droit de veto de Dieu. Vous connaissez le droit de veto? Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle l'apôtre Paul. Tellement, il n'y a pas quelqu'un qui a révélé Christ comme lui. Tellement, il connaissait Christ. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui dit. C'est moi qui dis Paul. Et puis Dieu dit, mon fils, mets ça dans la Bible. Il médite sur ça. Il a les droits de veto. C'est-à-dire tu as des dimensions. Où tu arrives quelque part, Dieu ne t'a rien dit. Mais il est en toi. Il est incarné en toi. Quand tu dis quelque chose, aïe, mazabra cause. Comme Pierre, avant il était peureux. Quand il arrivait devant paralytique, il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Tu demandes toi la volonté de Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que le jour où tu vas découvrir réellement Jésus, tu n'as plus besoin de chercher sa volonté. Il est en toi. Tu t'imagines, Samoku, Végéta, il est en train de demander, attends, Végéta, tu veux quoi? Samoku, tu veux quoi? Ils sont eux. Quand il dit fire, c'est fire. Si c'était des gens ou d'autres personnes, je me rappelle ce qui est arrivé à la chaîne de Pâques. On nous a dit, il y a quelqu'un qui est décédé là, on va aller prier pour que la personne ressuscite. Tu as. Il y a d'autres qui ont dit, non, on ne fait pas les choses comme ça. Vous savez, on doit demander d'abord la volonté de Dieu. J'étais là, j'ai regardé dans le groupe, chacun a donné son point de vue. On doit demander la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit, écoutez, si c'est pour demander la volonté de Dieu, faites-le maintenant. Parce que si on se déplace, on s'en va jusqu'à où il y a un cadavre, il n'y a pas deux cas. Ou bien, si on se déplace, et puis à l'heure où il y a le cadavre, il n'y a pas deux cas, il va ressusciter ou bien. Pierre, les gens devant le paralytique, il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que tu veux que ce paralytique marche? Seigneur, est-ce que tu veux que. Il dit, ce que j'ai, il avait quoi? Dans son esprit, il y avait quelque chose. Dans son esprit, il y avait quelque chose. Écoutez, mes frères et sœurs, je suis arrivé presque à la fin de mon message. C'est que Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire. Il veut que nous puissions entrer dans son intimité. Parce que dans l'intimité, entre l'homme et la femme, il n'y a plus honte. Il se déshabille. Tu peux voir l'autre tel qu'il est. Tu peux savoir que, ah, il y a une tâche ici. L'autre a une tâche ici. Tu peux tout savoir. Tu peux tout savoir sur la personne. Tellement vous êtes complices. Tellement vous vous connaissez. Le but de cette communion d'esprit, de cette intimité, c'est de pouvoir produire quelque chose de palpable et de tangible. Alléluia. Une intimité dans laquelle il n'y a pas quelque chose de tangible et de palpable.
c'est que c'est dangereux. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour parler du sexe. Et dans le mystère du sexe, c'est que les gens ne savent pas ce que quoi. Lorsque tu vas avec un homme, en fait, vous créez, lorsque une femme ou bien un homme, lorsqu'il y a une relation sexuelle, vous créez ce qu'on appelle une intimité. Et cette intimité doit produire quelque chose. Et si vous n'êtes pas sous couvert du Saint-Esprit, c'est-à-dire s'il n'y a pas la bénédiction qui vous accompagne, votre énergie là, vous gaspillez ça. En fait, au lieu de recevoir quelque chose, tu perds quelque chose. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pourquoi vous voyez cette douleur. C'est parce qu'en fait, Satan veut que les gens puissent. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à jeter toutes leurs forces, à jeter toute leur énergie chez n'importe qui. Et le jour du mariage, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, vous voyez la manque. D'après Marcel, ils ont tout mangé la chair. Il ne reste que le noyau. En fait, tu as vendu toute ton énergie. En fait, dans une intimité, lorsqu'il y a une bénédiction, on produit quelque chose, c'est une bénédiction. La femme donne, le mari donne, il y a une bénédiction et puis Dieu agrée. C'est pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. En fait, on dit connu. Connu ici, vous allez voir, dans Genèse, on dit Adam connu Ève. Adam connu Ève. Et puis il y a une fois, Caïn Abel. On dit Dieu, ce qu'il a connu. Ça veut dire que Dieu est entré dans une profonde intimité afin de pouvoir produire, créer ce qu'on appelle l'homme. Et dans lui, son intimité, dans lui, sa pensée, Dieu, il t'a créé grand. Il t'a créé prospère. Il t'a créé béni. Maintenant, pour que tu puisses découvrir cela, toi aussi tu dois entrer dans cette intimité. C'est pourquoi il veut que toi et moi, nous puissions atteindre la dimension de l'épouse. Il y a des gens qui prêchent Jésus mais qui ne le connaissent pas. Il y a des gens même qui prêchent le Saint-Esprit mais qui ne le connaissent pas. Avec nous ici. Est-ce que tu veux le connaître? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Au salon, Dieu avec nous. Dans la douche, Dieu avec nous. Au travail, Dieu avec nous. Partout où tu es, au marché, Dieu est avec nous. Même quand tu es dans le bac, il est avec toi. C'est pas une intimité, mais quand tu fléchis seulement chez nous. Mais partout où tu te trouves, il peut t'interpeller à tout moment. Il peut te donner un message à tout moment. Il veut que nous puissions être dans ce dynamisme. Parce que le monde est pourri. Il a des choses à nous communiquer. Il a des choses qu'il veut faire. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est pourquoi il a tout fait. Il a rendu son nom au-dessus de tout nom. Et quiconque entre l'intimité avec ce nom, automatiquement il devient grand. Il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent décider de devenir intimes de Dieu? Amen. Tu as atteint une dimension où tu t'arrêtes même devant ton placard, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je porte aujourd'hui? Il te dit prends ça. Prends ça, et puis tu sors. Tu dis, Saint-Esprit, où veux-tu que j'aille? Il te dit, emprunte cette voie. Quelqu'un qui marche comme ça, comment il peut échouer? Quelqu'un qui marche dans l'intimité de Dieu, comment il peut opérer un mauvais choix? Comment il peut se tromper? Quelqu'un qui s'assoit, et puis Dieu lui dit, va à gauche, il va à gauche. Dieu lui dit, fais ça, il fait ça. Dieu lui dit, prends telle chose, il prend telle chose. Comment quelqu'un comme ça, vous voulez qu'il échoue? Comment voulez-vous que quelqu'un comme ça échoue? Le diable est en train de distraire l'humanité. L'ennemi s'est levé. Il ne fait qu'envoyer des distractions. Les gens font des prières sur WhatsApp. Mais ils ne peuvent pas veiller même 2 heures.